cher Annick, que finalement Florent a tout de même été n'a pas été si mal noté que ça par les juges. Hein. Il est aux environs de 80 points. Il y a encore des possibilités pour lui pour demain. Ah mais tout à fait. De toute façon, je vous l'ai dit, 10 patineurs minimum qui peuvent être dans les 3 premières places. C'est pour ça que les 4 patineurs qui suivent ont la pression, eux aussi. Et vont pouvoir se placer dans les 3 meilleures places comme dans les 10 à 12 meilleures places. Alors voici Florent qui nous rejoint. Je ne sais pas si juste avant de... Oui, on va peut-être attendre, Florent, si vous en êtes d'accord, la performance du Japonais qui risque du reste d'être l'un de vos adversaires principaux. Et puis après, nous interviendrons ensemble. Nous avons 2 minutes 40 de patience. C'est parti donc pour le Japonais. Yuzuru Hanyu. Voilà. Outsider de cette compétition, vous le disiez. Un outsider qui ne va pas le rester longtemps, à mon avis. Attendons sa première compétition en senior. Quadruple boucle piqué, double boucle piqué. Peut-être une petite pointe à l'arrivée du premier quadruple. Quelle prise d'élan dangereuse pour triple axel, vraiment. Je trouve ça prise de risque. Ça met quand même un peu en péril la réception du triple axel. Oui. On le reverra tout à l'heure au ralenti. Patinage un peu frais hein, pour ce niveau de compétition. Oh là là, oh là, là ça, quelle pression, ils ont tous ça. Comment peut-on rater un saut si facile lorsque l'on a fait toutes les difficultés? C'est vrai, Philippe, la jeunesse. Que j'ai rencontré la saison dernière au mois de juillet, on a fait un spectacle qui s'appelle Fantasy on Ice au Japon. Et c'est vrai qu'il avait été assez impressionnant. Spectacle à 11h du matin le dimanche, où le gars faisait deux triple axel, un quadruple. Et là, visiblement, avec un peu de pression sur les épaules, c'est une autre paire de manches. Et il faudra se rappeler de son nom. Voilà la pirouette finale pour le concurrent nippon pour lequel le programme a mieux commencé qu'il ne s'est terminé. Vous nous détaillerez, oui d'ailleurs ce n'est pas la joie sur son visage. Vous nous détaillerez ça dans quelques instants, le temps de recevoir Florent. Alors Florent, on a envie de dire qu'en dehors de cette... chute initiale, tout s'est bien passé. Vous êtes pratiquement à 80 points, ce qui veut dire que ça laisse encore quand même quelques options. Quelles sont vos premières impressions? Ouais, c'est sûr que demain, ça va être la guerre, encore plus qu'aujourd'hui. Ce quadruple, c'est vraiment... voilà, c'est dommage. Je le fais 100% d'entraînement, je l'ai fait aux 6 minutes. Et voilà, petite erreur d'inattention, mais voilà, demain, je le dis, c'est la guerre. Et on est tous dans un mouchoir de poche. Et puis voilà, le quadruple demain il sera fait et tout le reste d'ailleurs. Nelson, oui, Philippe, une question à Florent. Oui, est-ce qu'il était vraiment indispensable de tenter le quadruple à ce niveau-là de la compétition? Voilà, tactiquement, Philippe est en train de vous demander est-ce que c'était indispensable de tenter ce quadruple. On connaît votre tempérament de bagarreur, mais est-ce qu'il n'aurait pas été préférable peut-être d'assurer? Je ne sais pas, vous avez dû en parler avec Morozov de cela. Alors maintenant que je fais quad, il faut que j'assure sans le faire. Donc là, je réponds directement et bien sûr qu'il faut le faire ce quad. J'en suis... tellement capable et maintenant ça fait partie de mon panel de saut et maintenant ça sera uniquement avec quad et tout le reste d'ailleurs.
On vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir, Florent, en espérant que ce soit dans le dernier groupe. C'est encore possible, mais nous en saurons davantage dans quelques minutes, bien sûr. À demain. Bisous à tous. C'est bien, il ne perd pas le moral et c'est exactement la réponse que j'attendais de lui. Maintenant, c'est vrai que le quadruple fait partie du minimum syndical qu'il faut mettre dans un programme court. Oui, c'est pas un, mais deux quadruples que Florent est capable de faire. Et deux différents, ça c'est oui, ça qui oui. est excellent. Comme Brian d'ailleurs, et on a la chance d'avoir des patineurs qui font des quadruples en France. Et ça doit effectivement faire partie de l'entraînement de tous les jours et de toutes les séances. Et bravo de le penser, Florent. Alors, ce petit jeune... Ah, ce petit jeune-là... Agnew. Là, il a vraiment raté le coche. Hein, il est doux comme un agneau. Il est doux comme un agneau. Ah, mais là, qu'est-ce qu'il a été bébête. Qu'est-ce qu'il a été bébête. Mais ceci le met derrière Florent. Il y a encore une possibilité pour Florent de